Parce que c'est un autre sujet aussi que je vous donne comme ça. On va commencer par le commencement. D'abord, pour commencer, moi, Fatounia, le jeudi, à bas le CNRD. Moi, Fatounia, le jeudi, à bas Mamadi Doumbouya. Moi, Fatounia, le jeudi, Mamadi Doumbouya, c'est un narco. Moi, Fatounia, le jeudi, Mamadi Doumbouya, c'est un assassin. Moi, Fatounia, le jeudi, Mamadi Doumbouya, c'est un ingrat. Moi, Fatounia, le jeudi, que Mamadi Doumbouya, c'est un drogué. Mamadi Doumbouya, c'est un yembenya. Mamadi Doumbouya, c'est lui qui sera la cause d'une guerre civile en République de Guinée. Je dis, Mamadi Doumbouya sera humilié, il sera attaché, il va porter fétiche, et ils vont le faire le tour de la Guinée. C'est moi qui le dis, Fatounia, lui. D'abord, voilà, ça c'était, et puis vous savez, c'est Mamadi Doumbouya mon sujet. Et toute personne qui dit, qui vient me conseiller sur Facebook, vous ne me conseillez pas. Vous avez monétisé vos pages, vous voulez de nom et vous partez raconter du n'importe quoi. Toute personne qui a moi mon privé, excusez-moi. Toute personne qui a moi mon privé, mon numéro privé, qui a mon compte privé, maman des pauvres. Tu ne m'appelles pas là-bas pour me conseiller. C'est pas conseil tu me donnes. Tu cherches nom. Tu cherches buzz. Donc personne ne me conseille en allant sur Facebook. Vous savez, moi je m'en fous. Il y a des gens sur Facebook. C'est leur boulot en fait. Ils n'ont pas d'autre boulot parce que pour eux, se dire blogueuse, ça c'est un titre. Pour eux, là, dire qu'il est blogueur ou blogueuse, là, ça c'est fonction quoi. Ça c'est titre. C'est une honte même s'appeler blogueur et blogueuse parce que vous êtes des nyogués. Vous n'êtes pas blogueur ni blogueuse. Nyogé nan naoura, nyogé. Et puis, n'ta mouloura moutan. N'ta mri mouré mago. Ou à colon, n'ta à colon, et ou rère ne. Mri nara ou rère ma à colon, n'a à colon. Parce que, ou tan nara mene rigoubeya. Mon frère du Maroc là, mire li falama. Et n'a rien ni yabi, à colon mi yabi, ma mère ton affalari, c'est pourquoi n'a di wem fala feyibe. Ya colon mi yabi, ma tu sais déjà, éminine fan kumbibe. Ese ni yabi ne, mi yabi ma, parce que iwa ma kili na ngom. Ima minine, ima fan de fan du ka. Mire n'a rien ni fan, irena ki ran de fan di, nana ma rire ran kumbi. Donc n'ta mi yabi ma. Et t'en a minin kumbi, et t'en a ma mini, in de fan du tofa, inu minin kumbi, parce que iya colon. Ah, il va ton ta mon trompe ma mérima. Il va la ton mérin a rien à qui il a et ton combi sindé. Après, mérin avance et ré. Aéran défendu. Angle la vidéo partage. N'a ma partage ma parce que nous barons combi. Anna reno, angana luna, ribaron combi dans le passé. Maman baribule baran défendu. N'a vu n'a reno. Garantie mouna yema. Et combi maneto. Tina. Et manfa. Hadja open the door. E kumbi maneto, tine efa, e berera, tine bure e kumbi. Who? Who's this? Donc, etan, mon frère, etan amene, etan. Nare rena ki, ay rando fandu, nana nye afas, on sa kontakte, nara akolon ta ora, tan Facebook mere, paske mere mera, nyo genera, mwa mera kontakte roma. La persona a forcé, hein? Hein? Après, on va voir un kéré. Mais y'a que l'on depuis, là. Il va ranglier, il m'a tombé. Tu m'as écrit combien de fois, m'a tombé. Parce que garantie, mouna aura fait. N'tangra et mouna Facebook mérira connaissance, ma. N'tangnou mérinere na contact. N'y a mouna Facebook. N'nou mérifanye nere wa eme mou Facebook. Donc, à mouna wontagi, mou ce que aura fait, m'a tombé, ma. Donc, je ne sais pas si je suis défendu, je ne sais pas si je combi. Parce que tout simplement, à part le corps, je suis défendu. 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 Je suis défendu.
Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un sur Facebook. Hein. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'est-ce que je dois faire ici. Là. Moi, c'est très bon d'être indépendante. C'est très bon, je dis, de travailler pour soi. Donc, moi, on ne me dicte pas qu'est-ce qu'il faut faire. On ne me dicte pas qui tu dois soutenir. C'est vous qui étiez là. Au début, vous avez soutenu Doumbouya. Après, vous avez vu, vous ne gagnez rien. Ils ont mérité, ils sont allés faire la médiation là-bas. Donc, l'intéressé a reçu l'argent. On vous a posté l'argent. Parce que, dignité, personne ne vous considère. Parce que vous ne vous considérez pas. Vous n'avez pas de dignité. Mon frère, il est en Amérique. Dans l'Amérique, Amérique, c'est un pays de droit. Amérique, c'est un pays pour les femmes et les enfants. Amérique, c'est un pays d'opportunités. Amérique, c'est un pays où tu peux avoir une voiture, sortir d'usine de même année. Par exemple, 2022, là, tu n'as pas le cash. Tu le gagnes. Amérique, c'est un pays où tu peux avoir une maison. Tu n'as pas de cash. Mais tu sais ce qui fait ça? Ta crédibilité. Donc, dans le pays là, c'est pas à vous de me dire de travailler. Je travaille pas, c'est pas à vous. Et je suis obligée de travailler ici. Je suis obligée de travailler, pas pour l'argent même, pour ma crédibilité, pour mes documents, pour quand je dois obtenir mon passeport là. Et quand je veux une maison sans cash là, il faut que je leur montre mon document, mes documents, le paiement où je travaille. Donc ici là, tu es obligé de travailler. Tu es obligé, c'est une obligation ici aux États-Unis pour travailler. On ne travaille pas que pour le manger, on peut manger partout. Hein. Ici le McDonald's là, ça ne coûte rien. C'est le pays où le manger est moins cher, mon frère. Mais on ne travaille pas. Vous, vous cherchez l'argent pour quoi mettre dans votre bouche? Et dans votre bouche et puis dans votre ventre. Nous ici là, tu travailles pour ta crédibilité. Tu travailles pour faire venir. Parce que ici aux États-Unis, quand une seule personne vient, tu as tes documents, tu peux faire un regroupement de familial, tu peux venir toute ta famille. D'accord? Donc tu travailles pour tout ça. Tu ne travailles pas pour quoi manger des... Est-ce que tu sais ici, si c'est pour manger, chaque mois j'ai combien pour les enfants, le manger? Il faut demander, renseigne-toi ici aux États-Unis, le manger des enfants. J'ai deux Américaines, des bébés. Ici, c'est un pays d'enfants et de femmes. Donc, s'il n'y a rien aux États-Unis, là, là où tu es en Afrique, là-bas, là, retourne en Guinée, ouais. Ou bien tu viens ici, aux États-Unis. Moi, je sais que ce pays-là, je suis fière d'être ici. Je suis très fière d'être aux États-Unis. Et je suis très fière aujourd'hui d'être américaine parce que c'est ce qui m'a sauvée. Ils ont voulu me tuer en République de Guinée. Si je n'avais pas ces documents-là, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Et je savais que ça allait venir. Donc, j'ai pensé à moi. J'ai pensé à mon enfant. Je dis, hey, la politique, oui. Mais moi et puis mes enfants. Et je suis très fière. Je ne suis pas comme vous. Vous qui sont sur Facebook, là, je suis votre patronne. Notre éducation ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un. Notre système de vie, ce n'est pas les mêmes. Je n'enregistre pas quelqu'un. Je ne cherche pas l'amitié des gens. Je dis, c'est moi-même qui refuse. Et puis, tu dis... Avec les personnes, nous avons mis une rétagi, nous avons mis. Oui, parce que nous avons mis une fouille rétagi. Nous avons mis un enregistrement, nous avons mis une tagi. Nous avons mis une dernière fangoro. Après, tu n'es fait, tu es barré, nous avons mis une dernière femme. Moi, j'ai toujours pris mes distances. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de banque. Avant, tu n'as pas de banque, tu n'as pas de banque. Et il y a un tir. Et Bangui Tongo René est 24 heures. Amérique Béat est un homme béso, renier, un arène. Quand vous savez que l'on a rouen, arrêtez de parler. Si vous pensez, Orana, hey, ma communauté, what an ayata, falla, on a ma communauté. Ma communauté est foulée, et mon nom c'est ses rencontres. Donc, what an amuno ma fière en tant qu'entre, ou ma beren tambe. Ou ma bere, ou ma chilisin tambe, ou un kerema. Vous n'êtes c'est que événement yo c'est ce mon entendre wata nere wa en fait na ki wo ma minine be wo bire wata nere man khim fe be kito wo ma minine wo ma fo na dera bi man
woman fafala, woman fan de fan, escontan ore, more, mirena ore, naki, nana more, ruan combi. Men tanga furima et binja, mouem, bat mou batar, ma metiri. Mruo ma et binja, pascontan, age de nana, nasto, moudor ma Facebook piati. Moi j'ai 30 ans, non, juste. Mbara maestra de naissance, narebe jugement supplétif, marade, parce que nate un homme se gade, iwa maniena, comme ena sa mène. Maestra de naissance originale, nana ma se ngoube. On a tombé ma page, j'ai pas monétisé ma page. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas même que Facebook soit moi mon habitude, mon boulot. Vous savez, moi je fais le combat quand c'est nécessaire. Quand c'est pas nécessaire, je m'en fous, je quitte. Et quand je quitte là, vous n'avez même pas de sujet de débat. Si vous voulez là, je peux vous lancer un défi. Une semaine, je ne dis rien ici. Personne ne va vous regarder parce que vous n'avez pas de sujet. Ouah, je sais, c'est moi. Et moi, ça ne me dérange pas. Vous pensez que nous avons un gars ou un arrêt? Toute personne qui insulte ma mère, je dis bien, tu t'assois ici, tu parles le nom de Dumbuya, sa maman, tu insultes ma mère. Je vais insulter sa maman. Je n'ai pas insulté sa maman. Ce que j'ai dit, j'ai bien fait. Parce que je l'ai entendu. Il y a eu des gens qui ont eu peur, qui ont voulu m'aider, qui sont allés la rencontrer. J'ai entendu ce qu'elle a dit aux gens-là. C'est ce que j'ai dit ici. Les femmes-là, quand elles sont allées la voir, c'est ce que je suis venue dire. Je dis, ce n'est pas une bonne mère, c'est une insulte, ça. Elle dit que, comme moi, je n'ai pas accepté le pouvoir de son enfant, donc du coup, que Alpha, je dis, c'est Alpha le président, que Alpha n'a qu'à faire sortir mon frère. Ce n'est pas Alpha qui a enfermé mon frère. C'est Dumbuya qui a mis mon frère en prison. Lui et Bala Samoura. J'ai expliqué A plus B ici pour le cas de Bala. Il y a des gens qui sont allés, ils ont tout fait. Ils ont dit que si Dumbuya appelle, ils vont le libérer. Ils n'ont qu'à le garder. Si vous libérez Ousmane à cause de moi, ce que vous n'êtes pas... Allez-y, ouais. C'est vous qui s'attendez à une libération de ce petit. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour qu'on libère ce petit? Récemment, là, mon pardon à la famille, là, c'est pas le CNRD qui a ordonné ça aux gens là-bas. Là. Ils ont parlé que non, il faut que je demande pardon à la famille pour qu'eux, ils retirent et puis on libère le petit. J'ai bien fait, je dis. Moi, Fatou Ngueye, je suis votre star. Mamadi Doumbouya, c'est un assassin, c'est un drogué. Moi, je m'en fous de vous. Il y a mon papa, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé, des personnalités qui n'ont rien à voir avec Facebook. Ils m'ont dit, Fatou, pardon. Je vous ai dit, aujourd'hui, la seule personne que je ne veux pas qui me fait la guerre, c'est une seule personne. À cause de lui, je peux tout abandonner. Mais je ne le fais même pas maintenant, là. Parce que si vous pensez que vos bouches, là, qu'est-ce que vous allez dire de nouveau que moi, je n'ai pas entendu sur Facebook? Vous n'aimez pas la maman de Dumbuya, c'est elle qui n'est pas vaccinée. Hein? Tout ce que vous êtes en train de dire, vous avez dit, ça a fatigué. Vous ne faites que bisser, répéter. Envoyer des choses qui vont me faire taire. Ma communauté, d'après vous, n'ont pas eu, c'est pas vous. Le jour, ils ont fait sortir Selou Dalin. Maman Diaka, tu sais, toi, tu n'es pas n'importe qui. C'est ce qui fait que je dis ton nom. Et c'est parce que tu as parlé. Moi, je me dis, tu ne m'as pas conseillé. Parce que tu as mon numéro. Tu peux m'appeler en privé pour me parler. Tu sais pas, tu n'as pas fait. Tu pouvais m'appeler sans que je refuse de te décrocher. Maintenant, tu sors, tu fais un direct. C'est pas pour me conseiller, tu fais. Tu es sorti dire que moi, Fatou, tu m'as aimé. C'est vrai. Quand j'étais petite, j'étais belle, jolie et tout. C'est vrai. Si tu te rappelles, tu avais fait une vidéo contre moi quand je suis sortie parler de Mouktar Diallo. Quand je dis arrêtez, quand ils ont voulu mettre Mouktar Diallo à mal avec Alpha Condé. Quand je suis sortie défendre Mouktar Diallo, vous êtes sortis, beaucoup d'entre vous êtes sortis m'attaquer. Toi-même, tu sais, dans ça, tu étais sortie, tu m'as attaqué. J'ai vu la vidéo, mais je ne t'ai pas répondu. J'ai pensé, quand moi j'étais petite là, la petite, belle petite fille dont toi-même tu as dit là, qui avait les cheveux clairs, jolis là, que tu as aimé à cause de ma soeur. Tu sais, c'est récemment, je te dis, maman, à cause de ta copine. C'est à cause d'elle, parce qu'elle, je l'ai dit, maman, moi je me dis, quand tu dis à quelqu'un, maman, et sa copine, sinon tu sais, je t'appelais Diadia, tu étais amie à ma grande soeur. Donc, mais moi je pense que tu ne m'as pas conseillé. Parce que tu as mon numéro, tu ne m'as pas appelé dedans.
Tu m'as pas appelé, tu pouvais m'appeler, tu vois, tu m'appelles un appel manqué, je refuse de prendre. Voilà. Et pourquoi j'ai dit ton nom? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Mais tu avais fait une vidéo, tu m'as attaqué. Est-ce que je t'ai répondu? Je ne l'ai pas fait, j'ai pensé à ça. Ici, je suis sortie, je dis, quand je suis tombée malade, vous êtes parti me voir, moi, ça me suffit. Le jour où vous êtes parti me regarder chez moi, là, ça me suffit largement. Et quand j'étais dans ma cachette, là, les appels que tu m'appelais, là, à tout moment, qu'on parle, tu me consoles, vous m'avez dit que je n'étais pas seule, là. Moi, je ne vais pas oublier ça. Je ne vais pas oublier ça. Mais ça ne veut pas dire parce que vous soutenez Doumbouya que je suis obligée de soutenir Doumbouya. Je ne vais pas soutenir Doumbouya. C'est la démocratie. Vous me laissez dans ce que je suis. Soutenir Doumbouya, c'est très bon. Mais moi, je ne le soutiens pas. J'ai mes raisons personnelles. Je ne vais pas le soutenir. Doumbouya a mis mon frère en prison. Doumbouya, les Bala Samoura, ils ont voulu moi me mettre en prison là-bas. On allait m'humilier et puis rien n'allait sortir. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ils m'ont condamné. Ils ont condamné mon frère de nouveau. Sur des futilités, on a tous vu quand le procureur a dit que son parquet n'est pas un parquet de règlement de compte. Ils ont condamné mon frère, ils m'ont condamné encore. 4 ans de prison ferme, injure. Et puis moi, je soutiens Doumbouya parce qu'il est qui? Parce que vous le soutenez. Je dis, je refuse, je ne le soutiens pas. Et je ne veux pas que, parce que je ne soutiens pas Doumbouya, à cause de Doumbouya, vous prenez la part de Doumbouya et puis vous me faites la guerre. Si c'est ce que vous préférez, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas vous faire la guerre. Je ne le fais pas parce que j'ai peur. Vous savez que je n'ai pas peur. Je n'aurai jamais peur. Et toi-même, tu sais, moi là, depuis tout petit, déjà moi, mon impolitesse là, tu sais, je ne l'ai pas montré sur Facebook. Mais je ne vais pas te répondre parce que, un, tu es du RPG. Deux, tu m'as aimé quand j'étais petite, quand je n'étais même pas dans l'histoire de politique là. Donc, à cause de ça, là, moi, même si tu sors, tu me fais la guerre, tu sors, tu m'insultes, tu fais quoi? Tu l'avais fait auparavant, je ne t'ai pas répondu. Ce n'est pas maintenant que je vais te répondre. Mais tu ne m'as pas conseillé. Soutiens Doumbouya, je dis. Et si tu ne veux pas que j'insulte la maman de Doumbouya, tu appelles votre vieux père qui est à Cancan. S'il insulte ma mère, je dis toute personne qui insulte ma mère à cause de Doumbouya et sa maman, sur mon gène, je vais insulter la maman de Doumbouya. Et je vais faire venir des gens, ils vont insulter la maman de Doumbouya. Maman n'est pas mieux que mère. Hein? Ma maman là, ma maman qui n'a pas la, qui n'est pas la mère d'un président là, la mère qui n'est pas quoi là, elle compte pour moi. Donc la maman du président là, votre président, hein? Si on insulte ma pauvre mère, je vais insulter la maman de votre boss, le président, votre président. Parce que moi, ce n'est pas un président, c'est un délinquant devant moi, Doumbouya. Donc, maman Djaka, ça c'était juste pour toi. Ce n'est pas pour te manquer du respect parce qu'on vient de m'envoyer ta vidéo et tout, j'ai regardé. Et voilà, moi je ne suis pas, moi je suis pas une ingrate. Hein? Voilà. Donc, mais je dis, le fait que tu me disais au téléphone, juste tu me consolais, ça me va. Et puis, il y avait des milliers de gens qui voulaient me parler. Si vous avez dit que je parlais avec vous, c'est parce que j'avais confiance en vous. Moi, je suis sortie de la Guinée. Qui connaît? Qui m'a aidé? Qui m'a aidé de sortir en Guinée? Quand j'étais dans un bunker, qui m'a aidé? Je n'expliquais ça à personne, même vous. Là où j'étais, j'ai expliqué à personne où j'étais. Personne d'entre vous ne sait où j'étais. Personne ne sait. Moi, c'est ça ma force. Moi, j'ai des choses. Quand je parle, c'est pas bon. Je ne parle pas. Je n'ai dit à personne où j'étais. Je n'ai dit à personne comment je suis sortie. C'est quand je suis arrivée ici. Et je suis arrivée, je suis restée longtemps. J'ai fait mon direct, vous avez vu, que tout le monde a vu. Personne d'entre vous ne sait. Personne ne sait. Personne n'est... Et puis, personne ne m'a aidé. Personne n'est... Et puis, la personne là, c'est pas vous qui m'avez présenté. Personne d'entre vous ne m'a présenté la personne. C'est vrai, c'est un malinqué. Oui, c'est un RPGiste aussi. Et c'est un alphaïs, quelqu'un qui est Alpha Condé, que personne d'entre vous ne connaît. Vous ne le connaissez pas. Personne ne... Même moi, j'étais étonnée quand j'ai su que c'était un alphaïsme. Et il est... voilà, donc vous ne le connaissez pas. D'accord? Vous ne le connaissez pas, mais... Vous n'avez, c'est pas vous qui m'avez aidé, qu'on l'a aidé. Qui m'a aidé? Si vous pouvez m'aider là, c'était au niveau... Vous n'avez pas pu aider mon frère qui est en prison. C'est moi que vous allez pouvoir aider.
Vous n'avez pas fait, si vous pouvez faire quelque chose là avec Doumbouya là. Mais c'était ça, non? C'était de l'aider à sortir. Moi, je sais les démarches, tout ce que j'ai fait. Les choses de l'interne que j'ai fait. J'ai vu que ça ne marche pas. J'ai compris que le petit là, ils ont peur que pour ne pas que le petit sorte, qu'il les attaque. Ils m'ont dit ça clairement, j'ai compris. La personne qui devrait le libérer m'a dit clairement. Il dit donc, Fat, tu ne te fatigues même pas, prends ton vol, tu vas partir. Et c'est ça. Donc, moi, je m'en fous. Et puis, vous qui dites là, ton frère, vous avez dit ton, c'est mon frère, non? Mais vous êtes lâche, vous. Si je n'aime pas mon frère, est-ce que c'est votre frère que je n'aime pas? J'ai bien fait, je ne l'aime pas. Mais celui que je n'aime pas là, il m'aime plus que vous. Celui que vous n'aimez, que moi je n'aime pas là, moi je suis une fierté pour lui. Celui que moi je n'aime pas là, il m'aime. Et où est le problème? Tu n'aimes pas ton frère. J'ai bien fait, je ne l'aime pas. Qu'est-ce que vous foutez pour mon frère? Vous n'étiez pas là, vous aujourd'hui qui est en train de gueuler ici là. C'est pas vous tous même qui avez applaudi, vous les gens qui sont sur les réseaux sociaux ici. C'est pas vous qui êtes sortis ici applaudir, danser, être content parce qu'il a été arrêté. Mais c'est vous bien sûr. Mais vous pensez que la prison, c'est la fin du monde. C'est vous qui avez peur de la prison. C'est ce qui a fait que vous ne partez pas en Guinée. Moi, je ne suis pas allée en Guinée avant le 5 ans. Je suis allée en Guinée après le 5 septembre. Je suis allée sabrer toute personne que je voulais sabrer. Je suis rentrée ici aussi. C'est Dieu, j'ai la baraka de mes parents. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Et ce que vous n'avez pas eu, vous qui êtes là en train de parler, là, ce que vous n'avez pas eu avec... comment je vais dire Dadis, vous n'avez pas eu avec Konaté, vous n'avez pas eu avec Alpha Condé, c'est pas avec Doumbouya vous allez avoir. Cherchez-vous. Moi aujourd'hui j'aime le départ. Moi aujourd'hui je suis à la, c'est que je suis au plafond. J'ai deux enfants, ils sont américains. Je suis américaine, je suis ici. J'ai commencé mes cours. Je commence mes cours de 9h à 13h. Et j'ai eu un bon boulot encore. Vous avez compris? Donc, vous et moi, nous ne sommes pas les mêmes. Moi, je ne suis pas au merci des gens. Doumbouya n'a rien à me donner. Même Alpha que j'ai soutenu, que j'ai tout donné là. Ici, là, ce n'est pas lui qui m'a amené. Ici, là, ce n'est pas lui qui m'a donné mes documents. Moi, je suis plus Alpha Condé que n'importe qui. Je suis plus RPG que n'importe qui. Parce que le propriétaire du parti, le président de la République qui est Alpha Condé m'a dit, regarde-moi. Et c'est lui qui m'a reçu. Et il m'a dit... Si tu es venu pour quelque chose, il n'y a pas ça ici. Donc, vous n'avez rien à me dire. Et quand j'étais en Guinée, quand les gens qui étaient sur Facebook, le Fonal Prak a organisé sortir pour aller réclamer la liberté du président, j'étais en Guinée, j'ai fait le direct, je dis sortons-nous tous. Et puis, j'étais là-bas aussi, je suis venue aussi et j'ai été gazée. Donc, si vous aimez quelqu'un, quand il est au pouvoir, il n'est plus au pouvoir, qui vous a vu parler? Beaucoup d'entre vous, qui vous a vu parler? Je dis, personne n'est plus RPG que moi. Et ce n'est pas à cause de vous, je suis au RPG. Hein. Attention, moi, je m'en fous. Si vous voulez sortir, vous raconter du n'importe quoi, ça m'est égal, moi. Qu'est-ce que vous allez dire que moi, je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu? Vous-même, vous dites que ma communauté, parce que c'est vous qui le dites, moi, je sais que ce n'est pas ma communauté, c'est l'IFDG. D'accord? Mais vous avez dit que ma communauté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ça m'a pu? Si c'est marabouté, là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Si c'est pour me faire taire, quelle force? Je dis, ils sont allés, c'est aller, moi, mes frères dans le passé, mes frères et sœurs. Quand on est venu RPG, on s'est coupé la parole. C'est moi-même, j'ai changé de numéro. On était dans un groupe, je suis sortie parce que je sais, si j'étais en contact avec eux, ils vont me déstabiliser, ils vont me désorienter, ils vont commencer à me donner les leçons de morale. Donc, je me suis retirée du groupe. Je me suis dit, le combat, là, je vais le mener. Je savais que ça n'allait pas être facile. Et c'est juste que je suis toujours dans ça. Mes frères, on a réconcilié. C'est après, il y a eu élection présidentielle 2020, là. Quand Alpha a été réélu, là. Après, il y a eu réconciliation avec eux. Ça n'a pas changé quelque chose dans ma vie. Mes frères et sœurs, c'est nous les petits-enfants. Ça n'a pas changé. Vous autres, vous êtes qui? Vous êtes qui? Si vous pouvez, là. Combien de fois vous avez dit que vous vous êtes battu pour que Doumbouya libère? Je vous ai dit quoi? Je dis il ne va pas le libérer. J'ai eu toutes les preuves qu'il ne va pas le libérer. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis, c'est son destin. J'accepte, il va accepter. Prochainement, quand moi, sa soeur, je lui parle, là, il va écouter. Je suis allée en Guinée, c'était pour lui faire sortir parce que je savais qu'il n'allait pas échapper les gens là.
Donc, si vous aimez la maman de Doumbouya, vous qui parlez là, vous n'avez même pas honte que j'ai insulté la mère de Doumbouya. Envoyez la vidéo. Vous avez vu le vieux père, les gens jouent qu'il a proféré contre ma mère. Est-ce que moi j'ai dit ça? Et la maman, je dis, la maman de Doumbouya n'est pas mieux que ma mère. D'accord, vous êtes OK? Si vous n'aimez pas qu'elle soit insultée là, arrêtez. Mais toi qui envoies les gens pour m'insulter là, parce qu'on t'a donné l'argent, tu as distribué aux gens là. Il faut continuer de, toi et Doumbouya, continuer de prendre l'argent là, vous distribuez. Parce que les gens là, je vais te dire, ton enregistrement, on m'a envoyé, quelqu'un m'a envoyé ton enregistrement. Là où tu as envoyé des gens de m'insulter, ils t'ont enregistré, ils m'ont envoyé. J'ai ton audio ici, mais moi je ne vais jamais le faire sortir. Donc j'ai compris, et je ne doutais pas, je savais. Mais moi, tu sais qui va faire sortir ça? C'est quand ils vont commencer là. C'est eux, les personnes, tu sais, non? Tu sais, les personnes qui font jouer les audios des gens, tu les connais très bien. Ils vont faire jouer les audios et ta voix va sortir et le monde va comprendre qui était derrière ça. C'est pas moi. Moi, je ne le ferai jamais. Voilà, je ne vais pas le faire. Mais quand je vous respecte, respectez-vous. Vous savez, je n'ai pas peur et je n'aurai peur de personne. Je laisse certaines personnes, pas par peur, parce que je pense à hier que tout le monde t'a laissé. Mon frère, c'est moi qui ai laissé les gens. Parce que vous n'êtes pas fiable. Toi-même, tu sais, à cause de cette personne qu'on a parlé, toi et moi, combien de fois tu m'as rappelé? Je n'ai pas décroché. Je ne décroche pas. Parce que moi, je n'ai pas peur d'être enregistrée. Hein, parce que tout ce que je dis en privé, je peux le dire en public. Mais je ne veux même pas votre contact, en fait. Parce que vous n'êtes garanti au Mouna Ourafé. Aujourd'hui, vous êtes là. Demain, vous insultez. Je ne suis pas dedans. Insultez-moi comme vous voulez. Ça ne me dit rien. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Je suis bandit guinéquois, mais pas avec vous. Ni vos pères, ni vos frères. Donc, tant que c'est des inconnus qui n'ont même pas vu, à part ici, là, qui n'ont même pas vu mon corps, quand eux, ils parlent, là, qu'est-ce que ça va changer de ma vie? Ça ne va rien changer de ma vie. Rien, absolument rien. J'ai entendu, on veut les nouveaux dossiers, en fait. C'est pas sortir, parler. Vous êtes là, vous ne défendez pas, Doumbouya. Vous êtes là parce que vous avez monétisé votre page. Vous n'avez pas de buzz. Hey, je vais vous donner le sujet. C'est moi qui vous dis. Je vais vous faire parler. Et quand j'ai envie de vous faire taire, là, il y a des gens, ils me respectent. De la dernière fois, je dis, Facebook est calme. Je vais sortir, mettre l'ambiance. C'est moi, votre boss. Donc, Doumbouya, la personne qui pense qu'il t'aime, là, qui envoie les gens pour insulter, là, il t'aime pas, la personne, elle t'aime pas. Hein? Elle ne t'aime pas du tout. Parce que quand on aime quelqu'un, on n'insulte pas, on n'envoie pas les gens. Je dis, toute personne qui m'insulte, insulte-moi, on peut m'insulter sans rien dire. On m'insulte, c'est pas, je suis ici sur Facebook, on peut m'insulter, je m'en fous. Mais quand on insulte ma mère en prononçant ton nom et en prononçant le nom de ta mère pour dire qu'ils insultent ma mère à cause de ta mère, je ne vais pas écouter, même si c'est l'imam de Mac qui vient me parler, je ne vais pas l'écouter. Je vais insulter ta mère, c'est clair. Donc si vous voulez venger là, vous n'aimez pas la maman de Doumbouya, parce que vous savez, je m'en fous, je ne vais jamais me parler de vous, même vos noms, je ne parle pas. Même ce que je viens de dire là, de vous tous là, là, parce que chacun se reconnaît dans ce direct là, je ne vais même plus vous donner l'occasion là. C'est pour vous dire, ouah, c'est ce mountain de ma maman. Ouah, c'est ce mountain de ma garouma. Et puis, je vais vous dire encore, ma communauté Peul, je vais vous dire, ma communauté Peul dont vous dites là, est-ce que vous savez cette communauté, ils ne pardonneront pas que les autres? Est-ce que vous savez cette communauté, ils vont pardonner leurs parents? Vous savez ça, Oumna Kolonye. Mais moi, je me dis, je n'ai rien fait à ma communauté. Ma communauté là, je n'ai rien fait. Ce qui a fait, je n'ai jamais demandé pardon à ma communauté parce que je n'ai rien fait à ma communauté. L'année dernière, quand j'étais venue, je l'ai fait parce qu'ils ont dit, j'ai attaqué ma communauté, j'ai insulté, je suis sortie, j'ai fait une vidéo. Je dis, alors si je vous ai dit ça, excusez-moi. Cette fois-ci, je dis, non, je n'ai rien fait à ma communauté. Je ne vais pas m'excuser à ma communauté parce que je n'ai rien gâté. C'est un truc de politique, c'est entre IFDG et moi. Donc, mais moi là, est-ce que si je veux aller à l'IFDG, quand moi je veux retourner à l'IFDG, si moi je veux, aujourd'hui c'est leur rêve, si moi je veux aller à l'IFDG, hey, je vais appeler Selouda Lendjallo, je l'appelle, je prends, je dis, Selou, bonjour, ça va? Il dit, ça va. Je dis, c'est Fatoumé, lui. Je dis, je veux retourner à l'IFDG, mais je ne veux pas aller en tant que militante, je veux aller en tant que responsable du parti. Tu le fais et puis je reviens.
Hey, c'est à la seconde qu'il va le faire. C'est à la seconde qu'il va le faire. Et puis je sors ici, je fais, je dis ouais, je suis aujourd'hui de l'IFDG. Mais je ne suis pas comme vous, je ne suis pas, c'est moi qui ai décidé. Je dis, je pouvais quitter, je pouvais faire mon combat contre ce Loudalen, mais rester dans l'IFDG. Pourquoi j'ai quitté l'IFDG? Parce que même un militant de l'IFDG, aucune délégation de l'IFDG n'était allée au funérailles de mon père. Donc c'est ce qui a fait, je dis, moi, l'IFDG, j'ai mis croix rouge. Même si demain c'est Niele qui reprend l'IFDG, Niele, on lui donne le parti, moi je ne serai pas de l'IFDG. Donc si je veux là, ce n'est pas quelqu'un qui va m'intimider. Hein? Vous avez vu juste la famille, quand ils ont demandé, vous avez vu comment ils étaient contents? Et je ne vais plus les attaquer si ça vous fait mal. Là. Il faut les attaquer si vous êtes garçon ou femme. Je dis je refuse parce que Doumbouya a fait plaisir à l'IFDG. Doumbouya nous a condamné pour faire plaisir à l'IFDG. Et les gens là ont raclé ça. Ils n'ont même pas parlé. Ils ont compris que c'était un manipulateur. Ils ont compris qu'ils veulent nous faire du mal pour leur faire plaisir. Ils ont refusé. Qui je suis si moi je sors, j'attaque les gens là encore. Donc, c'est ce qui n'a pas marché avec eux. Quand je suis sortie, hey, moi, je ne fais pas le combat de quelqu'un, je fais mon combat. Que c'est... Voilà, vous avez compris? Et c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas encore changé. Je dis, IFDG, j'ai été condamnée. Qui a entendu les gens là parler? Comme maintenant, ils ont vu que non, je ne parle pas. Comme Doumbouya veut que tout le temps, vous, CNRD, voulez que tout le temps, je m'accroche avec les gens de l'IFDG pour qu'on vous oublie là. Vous avez dit, et puis comme j'ai dit, vous avez dit, ah, j'ai été condamnée, je ne me suis pas révoltée. Maintenant, c'était quoi? Votre plan B, c'était d'aller prendre Ousmane Niele, dire qu'il est libéré, et maintenant, c'est la condamnation des autres qui le détient pour me révolter encore. Je dis encore, ça ne marche pas. Je ne me suis, hey, on ne me manipule pas. Doumbouya, moi, je te dis, quand moi, si tu avais l'expérience que moi j'ai, wallahi billahi tallahi, tu vas diriger ce pays. Alpha Condé, si moi, il écoutait tout ce que je lui disais, il allait être là où il est. Je lui ai envoyé un message, je dis, papa, vous allez partir. Et puis, notre groupe WhatsApp là, tu sais, aucun ministre n'est mort. Tous les ministres et directeurs, la personne que j'ai retirée dans le groupe, il n'y a que Alpha Condé parce que le téléphone d'Alpha se trouve avec Doumbouya. Donc, il y a le groupe qui existe. Et il y a tous les ministres ici, ex-ministres aujourd'hui qui me regardent. Moi, je ne parle pas pour parler, je ne suis pas une menteuse, moi. Vous ne me connaissez pas, vous sortez, vous inventez du n'importe quoi. Je dis, moi, avoir mon halo là, si ce n'est pas Sabouy là, et puis même le Sabouy là, je ne vais plus accepter. Parce que toi aussi, si tu sais que tu as eu mon halo, tu m'as vu là, c'est parce que c'était à cause de Sabouy. Sinon, jamais plus grand, jamais. Vous allez me voir comme ça sur la toile, mais entendre mon halo là, vous allez rechercher ça comme vous cherchez diamant et or que vous ne retrouvez pas. Je m'en fous de vous. J'ai vu qui et qui vous étiez amis ici. Moi, ceux qui m'ont entouré au passé, personne ne m'a aimé pour ce que j'étais. Hein? Ils étaient là pour mon quelque chose. Ils étaient là pour le pouvoir que j'avais. Ils étaient là parce qu'ils se disent, ouais, c'est les enfants de Alpha Condé, ils ont l'argent, on peut gagner notre part. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient là. Après le pouvoir, chacun s'est cherché, ils sont allés. Donc, tout le monde sait ça. J'ai tellement de leçons que je m'en fous, je ne veux pas, je dis... Mes bonnes personnes là, eux, ils se connaissent. Les personnes avec qui je parle, ils ne sont même pas sur Facebook. Donc vous, les yoli yoli, les chercheurs quoi manger là, les chercheurs de buzz là, je ne veux rien de vous. Moi, je ne suis pas en manque. Hein? Je ne suis pas en manque de gens avec qui parler. Donc je ne veux rien de vous. Je vous dépasse, moi, Fatinelle. Je dis, je vous dépasse. Mon mère. Donc vous n'avez rien à me dire, hein? Vous n'avez rien, absolument rien à me dire. Si vous ne voulez pas que la maman de Paul ou Pierre soit insultée, là, arrêtez d'insulter les mamans des gens. Moi, vous ne pouvez pas me faire taire. D'ailleurs, là, vous sortez, vous faites l'ambiance. On va faire l'ambiance. Vous pensez, moi, vous pouvez me faire taire. Hé, vous me voyez à combi. Vous me voyez à faire combi. Vous voyez à combi, n'en sera pas à m'entendre. Non, vous voyez à combi, n'en sera pas à m'entendre. Ouah, non, porte, ouais, non, c'est là-bas, maintenant. What a nyogé. Nyogé, non, naura. Biro, colon, garantie, au moun, aura fait. Mais rien, nous, nous, mérito, mais n'a pas, 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 vous êtes qui, vous? Valeur, kere, yo, moun, aouma. Donc, on t'en Facebook, mire, on t'en kayo, on kayo, kere, moun, aouma. J'ai bien fait, je dis, je refuse.
d'accord? Je vais plus attaquer l'IFDG. Non, 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 Roma. Hali wata ndorone kombina me yonoma. Parce que ntan bene yonoma. Parce que ntan an nebare nyira. Ntan an na fulera. Ntan an na IFDG. Donc ntan ne kombi yonoma. Mara ba ma sono. Hali wata nto wote wo golwe kombina me yonoma. Donc et puis etanto en adumbu ya grefe. Hali we ya bina me yonoma. Parce que écolo, c'est fait en naura. Écolo, vous êtes des opportunités, vous êtes des chercheurs d'opportunités. Donc partout il y a l'opportunité où on a la garantie au mon aura fait. Garantie qu'elle a moua fait. Donc même si demain vous sortez, vous allez les insulter, ils attaquent Doumbouya, ils sortent, ils attaquent Doumbouya, vous les attaquez, ça ne leur fait pas mal. C'est comme moi je les attaque, ça leur fait mal. C'est comme quand moi j'attaque Doumbouya, ça me fait mal. J'ai bien fait. Je dis Doumbouya, c'est un traître. Doumbouya ne peut pas prendre nos responsables, les mettre en prison, des personnes qui l'ont fabriqué. Doumbouya, c'est un ingrat. Doumbouya, tu vas finir très mal. Si tu libères mon frère à cause de moi, ou si tu ne le libères pas à cause de moi, vous pensez que moi, ça me fait mal? S'il veut, il n'a qu'à faire 20 ans, c'est mon problème. Je l'avais parlé, il ne m'a pas écouté. Donc c'est ce qu'il est en train de subir là-bas. Là. Et l'arrestation de mon frère, la prison de mon frère, j'avais vu ça en rêve. Ma mère sait, je l'ai appelé. Ousmane sait, je l'ai dit. Je dis, j'ai rêvé de Ousmane, il va faire la prison. Il devrait même voyager. J'ai demandé à Dieu, je dis, signez-le, il doit faire la prison, qu'il le fait en Guinée. Comme ça, ma mère va venir. Maman du IFDG Diallo, il faut insulter la maman de Doumbouya. Ah, tu vois? Non, non, si ils insultent pas. Ah, et pourtant vous vous disiez que l'insulter c'était pas. Toi aussi tu es maman du IFDG Diallo. Il faut faire une vidéo qui insulte la maman de Doumbouya. Moi si on n'insulte pas ma mère à cause de la maman de Doumbouya, je vais pas le faire. C'était ça qui était entre nous. Les gens insultaient ma mère à cause de ces loups-là, je répliquais. Je n'ai jamais répliqué sur eux, les personnes qui m'insultent. Et je ne vais jamais répliquer parce qu'ils ne viennent pas pour dire « Fatunia le ibara nga kombi ni nga kombi ma »« Ebare Fatunia le ibara gi nga kombi ni nga »« Awe nga kombi mili na nga fere na kim fan nana kombi ma » Vous êtes ok? Vous êtes ok? Vous êtes ok? Donc c'est ça. Mais combi ma. Kay munga combi. Na kha mo ko dor mais na baranga na han combi. Wo mona tanto mago. Il est assis là-bas, il a insulté combien de fois ma mère. Le vieux démon là, combien de fois? Vous pensez que parce que vous soutenez Doumbouya, parce que il vous berne là-bas. C'est que vous n'avez pas eu toi vieux père, c'est que tu n'as pas eu avec Alpha Condé. Tu penses que tu vas avoir ça avec les gens là? Hein? Quand vous êtes des RPG, je suis plus RPGiste que vous. Je dis, les opportunités que j'ai eues, l'amour et l'attention, le respect et la considération que j'ai eues avec Alpha Condé, ce qui fait que je ne peux pas le trahir. Je dis loyauté et fidélité à cet homme. Vous n'êtes pas RPGiste actuellement, vous êtes CNRD. Vous êtes des démagogues. Vous avez soutenu Alpha quand il avait le pouvoir. Il est parti, personne d'entre vous ne s'est assumé. C'est pas de gens qui s'est assumé, on sait les personnes qui sont assumées. Vous autres là, vous parlez. Et puis on prend nos cadres, on les met en prison et puis quelqu'un se dit RPG, tu viens soutenir Doumbouya. Doumbouya, honte à toi. Doumbouya, honte à toi de prendre nous, nos cadres, tu les mets en prison. Moi, la prison de Dr Diané me fatigue. La prison de Dr Diané me fait mal. La prison de Kassori, les autres là, me fait mal. Surtout Dr Diané, parce que devant moi, plusieurs fois cet homme a toujours fait pour te défendre. Les gens ont tout fait pour te diffamer sur Alpha Condé. C'est Dr Diané qui prenait, il dit non, il parle bien de toi, devant moi ça s'est fait. Au téléphone, il appelle le président, il le parle de toi de bon. Quand le président veut, ah tu vois, il y a eu des plaintes comme ça, ils ont dit, ah, Doumbouya là, il me fatigue, c'est comme ça, tu vois ce qui se passe. Quand il appelle, ah, tout ça c'est toi. Docteur dit non, il calme le vieux. Toi tu prends ce dernier, tu le mets en prison. Personne ne parle. Moi je n'ai jamais mangé 100 francs, je dis de Docteur Diané, je vous ai dit.
Même comme ça, mais la prison de ce tome me fait mal. Parce qu'elle ne mérite pas ça venant de toi, Mamadi Doumbouya. Aucun cadre du RPG ne mérite l'humiliation venant de toi, Mamadi Doumbouya. Tu ne veux pas être humilié. On va t'humilier, Mamadi Doumbouya. Tu es une honte. Tu es une traite. Tu cherches à être aimé. Tu penses que les gens là vont t'aimer? Tu nous as fait du mal, mon frère et moi, pour faire plaisir à l'IFDG. Ils s'en foutent de toi. Ils veulent ce que tu veux là. Le pouvoir que tu veux s'asseoir là, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, ils n'entendent pas, ils ne voient pas. C'est ça qu'ils cherchent. Et puis, moi, aujourd'hui et toi, les gens là, c'est moi, ils vont prendre. Tu as fait plaisir, tu as voulu faire plaisir, ils t'ont ignoré avec ça. Moi, je vais venir te soutenir. C'est toi qui m'as fait sortir, qui m'a aidé. Alors, sortez, si vous ne sortez pas, dire le nom de la personne où j'étais, où c'est lui qui m'a fait sortir, vous êtes des bâtards. Elle était mis bunker, à Efinke, Alti, Bolaïn. Vous m'avez aidé pour aller où? Parce que je suis sortie dire vos noms ici, je dis merci, vous sortez, les autres là, vous sortez dire que quoi? Je les ai dit merci parce que leur appel m'allait beaucoup. C'est parce que aussi je décrochais, hein, parce que ça ne se décroche pas automatique. Hein, l'appel, c'est quand je veux parler avec quelqu'un que tu parles avec la personne. Donc, quand je décroche aussi, c'est parce que les intéressés ont de l'importance pour moi. Sinon, ce n'est pas forcé. Je dis, toute personne qui vient sur Facebook que tu me conseilles, garde tes conseils pour toi ou tu le gardes pour tes enfants, que personne ne me conseille sur Facebook. Quelqu'un qui n'a pas mon numéro privé, quelqu'un qui ne peut pas me joindre, tu parles sur Facebook, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que peut-être que tu n'as pas eu l'occasion, tu ne sais pas où me parler. Donc quand tu vas sur là-bas, il se peut que je vois la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui a où me joindre, quelqu'un avec qui je parle, quelqu'un qui a mes numéros, qui a mon numéro privé. Quand tu sors, tu t'assois, dis que tu es sorti faire le boulot blogueuse, même pas blogueuse, ça c'est des saletés. Il n'y a pas de blogueuse ou blogueur sur Facebook. Vous êtes que des pourritures. Vous travaillez pour les gens. Vous avez des groupes où vous vous appelez. Men tam mawali munaki mi ga registrement na dangi febe mawali munaki na ga obe blogueuse munanna mai vu nana honori pourtant vous rêvez de ça et pourtant tam mai vu c'est pas monétisé wo sa ma vidéo est mato moins de 24 heures je suis près de 100,000 hier ma vidéo koronou korobura koro moins de 24 heures je suis à combien à près 100,000 moins. Et vous, c'est votre rêve ça aujourd'hui parce que Facebook paye et vos pages sont monétisées. Les gens disent Fatou monétise, je dis je ne monétise pas. Je dis parce que moi mes combats sur Facebook c'est temporel. Mes combats c'est quand c'est essentiel. C'est que c'est quand il y a l'essentiel en fait. Je ne parle pas pour parler. Moi j'étais ici. On a eu le pouvoir. Je suis restée en Guinée. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis combattre ces loups. C'est de gaspillage d'énergie. C'est comme actuellement, vous sortez, vous parlez de ces loups. IFDG, c'est eux qui sont au pouvoir. IFDG, vous sortez, vous parlez de Alpha et du RPG. C'est Alpha ou RPG qui est au pouvoir. Mais ça, c'est du gaspillage d'énergie. Qui est au pouvoir? Aujourd'hui, la Guinée, un sac d'huile, un sac de sucre, un bidon d'huile, un sac d'oignon, sac de pommes de terre, la viande, c'est combien? Parlez-nous de ça. Qu'est-ce que Doumbouya a fait? Il est dans son palais là-bas, il n'a rien dans la tête. Il a tout volé au palais Mohamed, comment je vais dire, palais Sektouréa. Il a l'argent aujourd'hui dans le palais Mohamed 5 là-bas. Là. Il est là-bas, il ne connaît rien. Il sort même pas. S'il sort avec le camp. Tu lui as dit que tu es allé prier, tu es allé effrayer des gens, tu es allé avec un camp. Tu n'es même pas sûr de toi. Tu n'es même pas sûr de toi. Mais si c'est moi tes gardes là, tu sais ce que Toumba et Dadis, non? Mais eux, il ne faut pas qu'ils visent la tête. C'est ton cus là. C'est là qu'ils vont tirer sur ton cus. Si c'est moi, tes gardes. Et ici, les militaires, c'est vous-même, force spéciale, parce que c'est vous qui êtes proche là. Tirez sur le pied de Doumbouya. Il va s'asseoir. Ne le tuez pas. Hein? Ne tuez pas Doumbouya, mais tirez sur son pied. Comme ça, on va l'envoyer au camp militaire là-bas, le soigner. Un autre militaire prend le pouvoir. On s'est compris?
Comme ça, vous allez éviter. Si vous ne faites pas ça, Mamadi Doumbouya, là, il sera la cause d'une guerre civile en Guinée. Vous pensez que Mamadi Doumbouya, il va organiser les élections. Il a pris tout le monde là, il les a mis en prison. Les docteurs Diané, les autres là, que RPG revient au pouvoir. Vous, vous pensez, vous rêvez comme ça? Et puis, il y a des gens qui disent non, c'est politique. Non, c'est organisé. Quelle politique organisée? Vous connaissez la maison centrale? Un lieu dégueulasse comme ça? Prendre un vieux qui est opéré, qui est malade. On les envoie là où il y a le, dans les lieux de bandits. Sans les mettre dans une résidence surveillée. Même les villas 35 là, les villas de, auprès de haut commandement là. Mais ils pouvaient amener les gens là, là-bas. Ils transforment là-bas comme une prison. C'est quoi une prison? La prison, c'est quand tu es libre, tu es privé de ta liberté. Il prend les gens là, ils en les envoient là-bas, auprès du haut commandement, les villas qui sont là-bas. Il dit restez ici, on les surveille. Mais tu les prends, tu les envoies, ça c'est politique. Vous les prenez, vous les envoyez à la maison centrale, un lieu dégueulasse comme la maison centrale. Et puis vous, vous rêvez, vous autres RPGistes qui pensent que Mamadi Doumbouya va rester ici, va organiser les élections données aux RPG. Il sait qu'on ne peut pas parler du RPG sans parler de Dr Diané. Ça, c'est clair. C'est ce qui compte là. J'ai entendu la dernière fois certaines personnes. Bon, je ne rentre même pas dans ça. Parce qu'on sait, on ne peut pas parler du RPG sans parler de certaines personnes. C'est vrai, personne n'est mieux que quelqu'un là-bas. Mais la façon dont je ne suis pas mieux que toi, c'est comme ça, tu n'es pas mieux que moi. Ah, il prend un docteur Diané, il le met en prison. Vous, vous restez ici, vous pensez, hé, Mamadi Doumbouya va vous endormir. Mamadi Doumbouya va vous tromper pour dire non, comme il est malinqué. Quel malinqué? Mamadi n'est pas malinqué. Mamadi Doumbouya a fait du mal au malinqué, il fait du mal au peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya peut humilier des gens comme ça. Et vous, vous ne voulez pas qu'on n'insulte pas un président. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas un président, c'est un brigandeur. Mamadi Doumbouya, il a séquestré nos cadres et mon papa, mon président. Mamadi Doumbouya n'est pas président. Mamadi Doumbouya est venu par les armes. Quel président? Qui a voté pour lui? Qui a élu Mamadi Doumbouya? Qui l'a élu? Il est voté. Quelle élection a été organisée? Il a quel parti pour dire qu'il est président? Si vous cherchez, il ne faut même pas arrêter. Actuellement, on ne doit même pas arrêter les kidnappeurs. Si on doit arrêter un kidnappeur, on doit arrêter Mamadi Doumbouya. Il prive Alpha Condé de sa famille, de ses enfants, de son enfant, de son téléphone, de ses partisans. Vous, vous parlez de quoi? Maman, vous serez très dessus. Si vous connaissez le plan de Doumbouya, il a préparé quelqu'un. Maintenant, la veille des résultats, là, il va prendre son vol, partir. Ils vont donner les résultats, il n'est pas en Guinée. Et on va dire la personne que lui, il veut. Là. Et ce dernier, ce n'est même pas un RPGiste. Et on ne peut pas accepter en Guinée qu'on nous parle qu'il y a eu résultat, ce n'est pas RPG, ce n'est pas IFR, ce n'est pas IFDG. Vous savez qu'après ça, c'est impossible. Vous savez qu'en Guinée, les trois partis, c'est ça. Le parti qui va remporter une élection dès le premier tour, c'est le RPG. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tout genre d'ethnie. Parce qu'il y a tout le monde. Parce que ce n'est pas un parti qui n'a qu'une seule communauté. Alpha Condé a fait du RPG, RPG arc-en-ciel, c'est pas inutile, hein? Parce qu'il sait, sans les peuples, sans les forestiers, sans les sous-sous, il ne pouvait, il peut pas être président. Donc vous autres là, je dis, comment t'as magaré ma go? Mba baga fe nuwa ma dundu fe me mu dundu ma parce que nous dundu wa mané, ah c'est parce que wobara mini wobara wongon combien de fois en tant que lima. Nya yeri da wona wowo fen tangle man mumbare ragere nda mun kono pe wata wowo matone na ngono.